What's up, gens d'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien sur le World du Bref, de toute façon, j'ai déjà fait une intro avant, je vais juste vous dire que ce week-end, les amis, sur Andaria, il y a un claim des AP si vous avez envie d'avoir un AP ou commencer sur le serveur. Je rappelle que le serveur donne quand même 50€ à la meilleure faction du serveur, donc si vous avez envie de vous faire 50€ plutôt facilement, c'est juste farmer la monnaie, l'argent, ce genre de trucs, et puis voilà, vous allez pouvoir avec la première faction du serveur avec et remporter 50€, donc vous séparez avec vos membres de faction, ou le chef garde tout pour lui, c'est vous qui vous regarde, mais... Andaria, j'ai jamais eu de problème de paiement, etc. Tous les paiements, ils sont disponibles sur leur compte Twitter. Si vous êtes sur leur compte Twitter, ils ont toujours payé les factions. Il y a des preuves qui ont vraiment payé les factions, si vous ne les croyez pas, etc. Et je voulais vous dire surtout qu'il y avait l'enclame des AP. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Et que j'ai essayé de faire en live ce week-end, samedi, pour l'enclame des AP. Donc, on va bannir des cheaters en live, etc. Vous allez quand même pouvoir voir des malissements de cheaters dans cette vidéo aussi. Mais les séries, c'est comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, vous allez sûrement entendre. Mais c'est plus des trolls séries que des admins séries. Je prends pas les trucs vraiment au sérieux. Je suis vraiment quelqu'un qui est là pour rigoler, s'amuser sur Minecraft de base, donc c'est ce que je fais dans mes séries. Je sais que peut-être qu'il y a des gens que je vais bannir qui seront pas les bons temps de bannissement, etc. Inquiétez-vous pas, les amis, ça va être corrigé par les autres membres du staff ou même par moi-même. Le problème dans tout ça, c'est que moi je suis vraiment là pour faire rire et vraiment m'amuser. Donc quand je banne un cheater, je vais pas mettre de vraies raisons, je vais sûrement mettre des trucs drôles, des trucs comme ça. Donc voilà, je voulais juste vous avertir pour pas que ça vous énerve ou quoi. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo, les amis, et bon visionnement. J'espère que vous êtes tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compétitive. Personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sûr. Oh, d'rien, c'est en PP faction 1.8, 1.9, 1.10, 1.11. En bref, vous avez compris de la 1.8, juste qu'il y a les autres versions pas disponibles sur Minecraft. Et je suis vraiment content de vous présenter cette vidéo-là parce que c'est un retour des admins Siri. Donc, je suis OP sur le serveur, si tout se passe bien normalement. Oui, je suis toujours OP. On peut voir, je suis Icons OP, Derebros OP, Alien le fameux. Ça, c'est tous les autres membres des admins et tout. Donc, voilà. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que j'ai les permissions, parce que je vais pouvoir troll des joueurs, trouver les cheaters, ainsi que regarder les boss. Donc, aïe aïe aïe, je suis fatigué. Comme d'habitude, les amis, ça change pas les bonnes habitudes. Donc, aujourd'hui, les amis, je vais essayer de trouver quelques cheaters pour commencer l'épisode. Et ensuite, on va, si je trouve une farm ou quelque chose de vraiment énorme, ben, j'essaierai de vous la présenter. Mais pour l'instant, on va se mettre en vanish, les amis. Et c'est parti pour notre recherche de cheaters. Donc, est-ce que toi, t'es un cheater? Les cheveux bleus comme ça, ça me fait penser à Ninja. Donc ouais, je veux dire que t'es pas un cheater, t'es juste un bon joueur. Ici on a des joueurs qui sont en train de taper. Hop, oh, c'était la même base que tout à l'heure en fait. C'est encore la même base que tout à l'heure. Oh putain. Bon ben let's go, je vais reprendre dès que j'ai trouvé un vilain garçon. Ok, ils se sont bien fait chier à mettre de la stone brick partout. S'il est comme décoration, est-ce que vous êtes... Oh, je peux pas. F bypass. Est-ce que vous êtes riches, les amis? Ouh! Oh! Oh! Full stuff, des blocs et des blocs de diamants. Incroyable, les amis. Incroyable. En vrai, ils sont bien fait chier, gros. Truc de malade pour faire tout ça. Hein. Franchement, bien joué à vous, les copains. Bon, c'est-tu pas possible? Ça maltraite un cheval, mec. Il maltraite le cheval. Il lui met déjà de l'armure dessus. Oh, wait, what? C'était quoi, ça? Tu peux pas sauter aussi haut avec un cheval? The fuck? Mais j'allais dire qu'il maltraitait le cheval. Pas gentil, ce jeune homme. Pas gentil du tout, mec. Le gars qui... Il a insulté le modo, il a dit... je te nique ta mère, la pute, j'espère qu'elle va crever, sale connard, je te baise tes parents. Et là, le modo, il l'a mute, il s'est insulté le modo, tu vois. Donc, il l'a mis seulement 4 heures, moi j'ai fait... Apprends à insulter correctement, 24 heures. Allez, bisous, bisous, mon pote. Il faut pas insulter les gens comme ça, mec. Il faut avoir une meilleure attitude, tu vois. Ok, regardez. Il a dit... Warrior Peace a reporté par Warrior Peace pour Icons abus de pouvoir. Et là, j'ai banni, t'es sûr de toi. On verra s'il est sûr de lui. Hein. S'il revient, il dit, ouais, je suis sûr. Ben, je vais le mute pour faux report pendant 15 minutes. À plus. Je pense qu'il a pas compris le principe de farmer les cacaos, lui. Il faut attendre qu'elle pousse, jeune homme, pour avoir des cacaos, en fait. T'sais. Je sais pas si tu savais, là, mais... Là, ce que tu fais, ça sert à rien, en fait. Je me demande combien de temps tu vas passer à faire ça. Ça fonctionne pas, jeune homme. Ça fonctionne pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faut attendre qu'ils poussent. Sapristi, les jeunes de nos jours qui savent pas jouer Minecraft. C'est incroyable tout ça. Incroyable! Encore plein de gens qui sont en train de créer leur base, les amis. Si vous avez pas encore eu l'occasion de rejoindre Andaria, c'est vraiment un serveur farm to win où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez dans le shop.
Donc vous pouvez acheter des kits, des spawners, des commandes et autres achats. Donc par exemple des pump shields, des trucs, des points de faction, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Il y a plein de gens qui viennent juste de commencer le serveur au versement il y a une semaine. Donc vous avez en masse de temps pour dominer le classement. Pour l'instant, qui est premier au classement? Ce sont la Weed Farmer avec 186 points. Mais regardez comment le classement il est proche dans les 4-5 premiers. Donc tout est possible si vous revenez le serveur dès maintenant. The fuck, il y a 3 personnes qui viennent de report ce gars-là. Le gars est en train de farmer, oh, the fuck. Le gars est en train de farmer, mais il a été report pour quoi? Pour cheat. The fuck. Oh, il est en train de casser des cannes à sucre, sérieux, là? Le pauvre gars qui casse des cannes à sucre. Hey, je lag de ouf dans cette farm, c'est pas possible! Ouais, je crois pas qu'il cheat. Chelou quand même. Oh. Ok, ça c'est le pillage le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Donc lui, il s'est fait piller par Delaz. Merci pour... Base pillé par Delaz. Merci pour tes verrues et de ton sable du Nether. Mais je t'en repasse un peu, donc il en a remis un peu. Tu peux refaire ta base ici car je pille pas deux fois. J'ai pété et j'ai pété ton spawner avec un bonhomme qui... le fils de pute, quoi. Oh, what the fuck. Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Le pauvre, il s'est fait péter sa base et... Oh là 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 là. Ok, what the fuck. Le gars, il trouve... 5 diamants, il découvre tout de suite quand je me suis TP à lui. Ok. Quand tu trouves des diamants, normalement, tu restes connecté pour les utiliser. Mais bon, chacun son délire. Hein? Chacun son délire. Je crois qu'on a un cheater ici, les gars. Il regarde à travers les murs. Donc c'est pour ça que je me dis ça. Regardez, vous voyez là, il a vu du diamant. Donc là, je crois qu'il va y aller. Il va le miner, non? Ouais, vous voyez. Il est quand même un peu chelou, le gars. Ok, freeze. On va lui demander... Salut. Monsieur, Monsieur ZipX, pourquoi tu X-ray? Hein? Réponds, putain! Réponds, fils de pute! Ok, il veut pas répondre. Monsieur ZP. C'est quoi son pseudo? ZipX, pourquoi tu X-ray? Tu vas pas gagner la lotte. Tu vas pas gagner plus de diamants. Tu vas gagner un ban. Oh là là, les gens de nos jours, quoi. Je sais à 100% qu'il X-ray. Je l'ai vu aller vers le diamant. Qu'il y avait aucune chance qu'il sache que le diamant était là. Bon, voilà, quoi. Et on voyait qu'il regardait un peu à travers les murs. Donc, moi, j'y crois pas, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il veut pas me répondre, donc il est muet. T'as donné ta langue au chat. Monsieur ZipX. Bon, on va quand même le ban. C'est temps ban, Monsieur ZipX. Je crois que c'est 14 jours. Mais vu qu'il veut pas répondre et coopérer avec nous, on va le ban un peu plus longtemps. On va le ban 30 jours. 30D, X-ray, non... coopératif. Il répond pas, ce fils de pute. Fait chier, quoi. Bon, ben, premier ban, les amis. On va en trouver quelqu'un. On va trouver quelqu'un d'autre. Inquiétez-vous pas. En fait, les gars, je suis un peu gêné. Je sais pas comment écrire, en fait. Il m'a envoyé un truc pour les sanctions, mais... en fait, j'ai banni mes propres sanctions. Et on va le faire en silence pour pas que j'aie l'air d'un con. Ah, merde, faut l'unban. Unban. Monsieur Isaac Pixel. S... Oh fuck. I'm done. It's not... Quoi? C'est pas ZPixel en fait, je suis trop con, mais what the fuck? Je sais même pas écrire son pseudo à ce petit cheater de merde. Poison que j'ai fait les unban. Ok, attends, on va aller voir combien de temps ça coûte sur le. Est-ce qu'il faut que je le banne 10 jours? 10 jours? Sérieux? Putain. Casse les couilles ça, mec, hein. Ça couche les couilles. Ah, oh, casse les couilles, il est pas non coopératif. Ce fils de pute, il faut le bannir seulement 10 jours. Non, mais c'est de la triche. Ok, le modo After Snake a avoué avoir cheaté. Donc, à vous de cheat. Adieu. Et il a avoué de cheat, donc voilà. Il est banni, il a dit. Le gars, il a dit After Snake, il a dit oui. Bon, tant pis, il est banni. Allez, un petit modo de banni. Un cheater en moins. Mais shit, regardez-moi cette base-là, gros. What the fuck? Je peux pas casser, fuck. Il y a mode... oh merde, pas ça. Il y a mode S, slash staff. On va juste aller, game mode C.
What the fuck, gros? Je vais juste aller vous jeter un coup d'œil, mec. C'est vraiment stylé. T'as foi. Ils ont fait quoi? Ah, des flamants roses, what the fuck? Ils sont en... Ça, c'est quoi? C'est. Ça, c'est la limite de map, non? Ouais, ouais, je crois que c'est la limite de map. Si on fait un truc chelou. Attends, je vais visiter, gros, what the fuck? Ça a l'air d'être genre une trappe. Non, ok. C'est des coffres secrets, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, ici, ils ont quoi? Ici, c'est quoi? Oh, ils ont mis du temps à faire leur déco, en fait. Ici, ça a l'air d'être un genre de pont, je sais pas, en fait. Vu qu'il y a de l'eau en dessous, on pourrait croire que c'est un genre de ponton. Ici, on a le Ning-Yang. Coffre sécu. Protect ou pas? De... Ok, bizarre. D'accord. Des coffres aussi encore ici. Est-ce qu'il y a des trucs dans le Ning-Yang? Ah oui, il y a de la déco quand même ici. Regardez en bas. On va rentrer. Mais ils ont fait un genre de petit pont en... En bois que personne aime, quoi. Y'a personne qui aime ce. Hé! Hey, fermez votre gueule, les goèmes de merde, là! Merci, je suis occupé. Voilà, on va reboucher. Et là, en fait, dans le flamingo, il doit avoir quelque chose, en fait. On va prendre une boussole. Prendre une boussole pour aller examiner. Oups, la boussole est ici. Ouais, c'est rempli de coffres. Putain, pas mal. Masse de coffres sécu. Je sais pas ce qu'ils foutent dans ces coffres-là, mon pote, mais. Gros, c'est rempli de coffres sécu. Et là, y'a un mineshaft! On peut pas y aller, je crois pas. Non, on peut pas y aller. Moi, je peux y aller ou pas? Non, je peux pas. Ah, dommage. C'est vraiment cool, les flamingos, les gars. Bien joué à vous, les gars. Vraiment superbe level base. Si je devais donner une note, 10 sur 10, mes copains. Mais je comprends pas un truc. Ah ouais, ok, je veux juste voir vite fait. Ah ouais, c'est énorme, leur base, en fait. What the fuck? J'ai trouvé ce jeune homme-là. Qu'est-ce qui est bizarre avec ce jeune homme-là, Mouche Family 117, c'est qu'il regarde juste en bas depuis tout à l'heure, en fait. Genre, il était là, il regardait en bas, et là, je sais pas ce qu'il fout. Je vais vous tenir au courant s'il cheat, mais il fait que regarder en bas comme ça, il se promène, il regarde dans les murs, comme s'il avait un X-ray comme moi, quoi. Donc vous voyez, regardez, il n'y a rien à regarder, c'est de la stun, mais lui, il regarde, quoi. Ah, il a TP son pote, peut-être qu'ils vont X-ray à deux. Je vous tiens au courant, les amis. Detector Icon sur le coup. C'est possible qu'il cheat pas, les amis, il est passé à côté des diamants là, donc peut-être qu'il veut aller plus vers les diamants du bas, peut-être il a laissé passer ceux-là aussi, je sais pas. On va voir qu'est-ce qu'il fait, mais c'est bizarre, il est arrivé dans une mine déjà minée. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Aïe! On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Oh, what? Il a décidé de tourner comme ça d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va descendre jusqu'au diamant? Est-ce que les diamants sont dans une grotte? Je pense que les diamants sont dans la grotte. Non, ils sont pas dans la grotte, donc normalement il devrait pas être capable de les voir. Mais est-ce qu'il les voit? Non, il les a pas vus encore. Il regarde... Il s'en va où, là? J'ai l'impression qu'il regarde vers les diamants, là, non? Oh, c'est étrange, quand même, les gars. Il est étrange. Le gars, je l'ai laissé tomber. Oh, non! Je suis mauvais détective, j'ai laissé... Oh, mais merde, là, lui, il cheat peut-être. Putain. C'est bizarre, là, il est juste au-dessus du diamant. Il sait pas qu'il y a du diamant en dessous. Est-ce qu'il fait genre qu'il y a du diamant en dessous, là? Il fait genre qu'il mène autour. Il y a du diamant juste là, hein. C'est quand même un peu bizarre, il y en a juste là. Je crois pas qu'il cheat, honnêtement, je crois pas qu'il cheat. À moins qu'il soit vraiment beau pour cacher son X-ray. Genre peut-être qu'il va revenir et il va faire « Oh, oups, il y a du diamant là, tu vois, mais... » Par ça, je vois pas comment lui, ce jeune homme-là, il cheaterait. Donc, Noé le chat, je crois. Noé le chef. C'est bon, t'es clean. Mais c'était quoi le pseudo de ton pote? Faut que je le retrouve. Bon, nous allons regarder ce PVP intense entre la faction « Je rush le jeudi » et cette faction... PVP très 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 intense, les amis. Je ne sais pas comment ils font pour survivre en ce moment. Oh! Oh my god! Oh my god! Double potion! Oh my god! Il a failli mourir avant de donner ce... Quel exploit! Du joueur français. Ok, ils veulent plus sortir, mesdames et messieurs. Cocoman a peur. Il snipe durant... Oh! Il est rentré, mesdames et messieurs! Sans respect, il est rentré. Il avait sûrement pris Pearl. Et non, il avait pas pris Pearl. Il avait pris Pearl, les amis. Il avait pris Pearl, je suis 100% sûr. Il n'est pas aussi con. Ou peut-être qu'il est con, en fait. Je sais pas encore. Oh, madame et messieurs, un combat très intense ici. Nous pouvons observer le combat très intense. Nous allons rentrer. Oh, il est descendu, madame et messieurs. Il est descendu. Il est en train de se fight. Il ne rigole pas. Oh, il est mort. Il est mort, madame et messieurs. Il est mort. Coco Man was slain. Oh my god. Voilà, sur cette note, les amis, nous allons cheater. Arrêtez cette vidéo, les amis, c'était une bonne vidéo. Mes admin series ne sera pas vraiment des admin series vraiment normales. Moi, je vais juste me promener sur le serveur et vous présenter des petits moments drôles, des trucs what the fuck. C'est plus des séries de trolls que des admin series, mais bon, on va quand même appeler ça des admin series pour pouvoir...
avoir plus de vues sur la chaîne YouTube. Voilà. Si vous avez envie de rejoindre le serveur, c'est très simple, mes amis. C'est play.andaria.fr. C'est en 1.8, 1.12. Et vous pouvez rejoindre en crack, bien sûr. Il n'y a pas de souci avec ça, les amis. Et bien sûr, vous pouvez avoir toutes les kits et les grades, etc. en jeu, comme je vous ai expliqué juste avant. Sur ce, les amis, aussi. Ah, j'ai oublié de préciser, mais il y a aussi des. De l'argent PayPal à gagner à la fin de la saison, donc la première faction du classement gagne de l'argent PayPal. Donc si vous êtes une faction qui a envie de tryhard, c'est le tour à vous de jouer, les amis. Sur ce, je vous laisse, c'était Icons, passez à tous une excellente fin de journée, ciao ciao.